Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non, ce n'est pas une vidéo sur Dark Orbit comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. On est aujourd'hui sur un autre jeu donc développé par Big Point, c'est Battlestar Galactica Online. C'est un jeu auquel j'ai joué il y a très longtemps. J'aurais bien envie de dire que ce jeu date de 2011, mais j'en suis pas sûr. Vu que j'ai pas vérifié auparavant, je sais, c'est pas très malin de ma part. Mais je crois que j'avais accroché à l'époque à ce jeu-là. Ça me permettait des fois de varier un petit peu avec Dark Orbit. Ça restait un peu dans le même thème, vu qu'on est dans l'espace, il y a des vaisseaux spatiaux. Voilà, sauf que c'est différent. Il y a deux clans, les humains, les cyclones. Je sais même plus lequel clan je vais choisir. C'est pour vous dire que ça date d'il y a très longtemps. On est en 2016, donc si j'ai joué, ça devait être au tout début du jeu. Donc ça doit faire peut-être 5 ans. Voilà, ça date d'il y a très longtemps, comme je vous le disais. Vu que sur Dark Orbit, c'est vrai que les vidéos, ça peut être un petit peu lassant, c'est un petit peu toujours la même chose. C'était plus intéressant au début, parce que les quêtes duraient moins longtemps. Maintenant, c'est vrai que les quêtes sont de plus en plus longues. Les NPC sont de plus en plus longs à tuer aussi, vu que je suis pas forcément très bien équipé. Alors juste pour info, j'ai remplacé du coup le Leonov que j'avais par un Goliath que j'ai obtenu aux enchères. Je l'ai eu pour 10 000 crédits, hein, ça vaut rien du tout. J'ai également eu un Iris pour 500 000 crédits, je crois, de mémoire ce matin. Il devait être 8h, je sais pas pourquoi, je suis passé sur Dark Orbit. Je me suis dit, bon allez, je vais faire toutes les petites quêtes là que j'avais pas réussi à faire, il m'en restait 3, des quêtes de temps. Donc ça y est, elles sont terminées, je suis passé du coup niveau 10, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a déjà accompli un des objectifs fixés, c'est d'obtenir le Goliath. Fallait également être level 12, on est level 10, plus que 2 levels. Je suis sûr que je vais y arriver avant la fin de l'été, hein. Il suffit que je prenne un petit peu de temps pour jouer à Dark Orbit et on sera level 12. Il reste après à équiper le Goliath avec DLF2 ou DLF3. Je pense qu'on va plutôt partir sur DLF2 parce que pour l'instant j'ai quasiment pas de crédit. Donc les LF3 c'est pas gagné du tout. Surtout qu'il restera à acheter les autres drones aussi, donc ça va coûter de l'argent. Il me manque des propulseurs et beaucoup de boucliers. Donc je verrai tout ça. Je verrai tout ça. Et j'essaierai de faire au mieux. J'essaierai d'adapter également les vidéos, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu monotone de voir quelqu'un faire une quête, donc peut-être que je mettrai le tout en accéléré, je sais pas, et je commenterai après, ou je sais pas, faut que je trouve comment je vais faire ça, parce que j'aimerais bien quand même vous envoyer jusqu'au bout de cette aventure, c'est-à-dire que je m'étais fixé comme objectif d'être Goliath full basique et level 12, donc j'ai envie d'y arriver, et j'aime pas abandonner quelque chose, donc j'irai jusqu'au bout de cette aventure, même si je dois faire à la fin 2, 3, 4, 5 vues. C'est pas grave, parce que je le fais, mais surtout pour le plaisir. Je me suis fixé un but, j'ai envie d'y arriver. Et personne ne pourrait m'empêcher d'atteindre ce but. Et même si c'est vrai que ouais, la série elle a été lancée, c'était l'année dernière, c'était en juillet 2015. Donc là, la chaîne va aller sur ses 1 an. C'est vrai que j'ai pas été très actif, mais bon. Je vais me rattraper cet été, il y a 2 mois. Bon, on perd pas de temps, hein, on se lance directement sur Battlestar Galactica. Bon, aujourd'hui sera une vidéo présentation vraiment du jeu, hein, donc je vais regarder vite fait les différentes factions, donc humains, cyclones, je vais regarder vite fait l'histoire aussi. Et après on se lancera dans le jeu. Là je sais pas combien de temps de vidéo je suis, mais si jamais la vidéo est trop longue, ce sera dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. On va se faire un petit peu de Battlestar Galactica Online. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça, on va découvrir un petit peu l'univers de Battlestar Galactica Online. Enfin, c'est surtout ça que je vais faire dans cette vidéo, hein, je vous préviens tout de suite. Je jouerai au jeu sans doute, je pense, dans la prochaine vidéo. Là, on a fait 4 petites minutes de vidéo, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, on va découvrir le jeu et peut-être que je vais peut-être lancer tout de suite, hein, je sais pas, mais déjà le temps de faire ça, enfin je redécouvre l'univers,
Et comme ça, vous pouvez découvrir également cet univers et après on se lancera dans le jeu. Donc il y a deux choix possibles, soit on deviendra humain, soit on deviendra cyclone. Donc je vais vous lire ce qui est écrit. Donc la race cyclone agonise, l'humanité est proche de l'extinction, le moment de la vengeance est arrivé, à qui allez-vous prêter allégeance? Là comme ça, à première vue, je partirai sur les cyclones. Je les trouve plus badass les vaisseaux cyclones. Enfin, j'ai rapidement regardé les vaisseaux en bas tout à l'heure. Et ouais, franchement, je me vois pas être humain. Donc allez, on regarde ça tout de suite. Peuple humain, après avoir vu les cyclones exterminer presque toute l'humanité, les coloniaux ont fui dans une flotte hétéroclite faite de vaisseaux de toutes sortes, menée par le vaisseau Galactica, pardon, de classe Battlestar. Bloqués dans une zone inconnue de l'espace, les derniers humains cherchent à tout prix à s'échapper et à rejoindre la Terre avant l'inévitable riposte des cyclones. Donc voilà, donc ça c'est le premier, je pense, vaisseau humain qu'on obtient. Donc c'est une fusée, voilà. C'est un Viper MK2. Franchement, ça me plaît pas du tout. Donc après on a le MK3. On a le... Ouais, c'est ça, on passe du 3 après au 7. Ce qui n'est pas logique du tout. Ouais. Donc ce vaisseau là il me fait penser quand même, enfin ayant joué à Dark Orbit, ce vaisseau là me fait penser au Piranha. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc le Rapace, donc ça c'est un vaisseau de classe attaque. Donc tout ça c'est des vaisseaux de classe attaque. Ouais. Celui-là il me ferait penser un petit peu au Defcom celui-là. Très brièvement il me ferait penser au Defcom, moi ouais, c'est. C'est différent, mais il y a un petit air. Peut-être au... Ouais, non. Voici le Defcom. Ça me paraît plutôt pas mal. Non. J'ai dit des conneries. Celui-là me fait penser... Ah là là, je sais pas. Peut-être au Yamato. Il a un petit air de Yamato. Yamato, Defcom, ouais, les deux ensemble. Le Raven, là, celui-là, il me ferait penser forcément au Nostromo. Et après, les autres, ils ont plus rien à voir du tout avec... les vaisseaux qu'on peut avoir sur Dark Orbit, hein. Donc on a les classes Escort, mais on peut pas cliquer pour voir à quoi ils correspondent les vaisseaux. Donc moi je les trouve moches, perso je les trouve moches. Ouais c'est des... ouais, ils ont aucun charisme. Qu'après on a les vaisseaux de classe Ligne et après classe Amiral, donc voilà le Pegasus dont il parlait auparavant. Non, je dis des bêtises. D'accord. Donc après, le peuple cyclone. Afin d'assurer leur liberté, les cyclones lancent une attaque massive sur l'ensemble des 12 colonies dans le but d'exterminer leurs plus dangereux ennemis. Donc, espérant débarrasser l'univers de la race humaine qu'ils considèrent défectueuse et vicieuse, les cyclones explorent les étoiles pour trouver les derniers colonies. Donc franchement, je les trouve tip top les vaisseaux cyclones. Ouais. Ça fait un peu penser au vaisseau dans Star Trek. Tout le monde connaît Star Trek, hein. Ouais, franchement, déjà rien que le chasseur. Donc ça doit être le premier vaisseau qu'on a. Mais je le trouve, mais badass de chez badass. Il donne super envie, ouais, j'adore. Après, on a le bombardier. Enfin, on fait la comparaison. Donc on prend le chasseur avec le premier vaisseau, le Viper MK. Deux là... sans hésiter, je préfère le chasseur. Après, je compare avec le MK3 et le bombardier. Bah, il n'y a pas photo. Je préfère aussi, du coup, le bombardier. Enfin, ils sont tous stylés. Ça fait. Ah ouais, celui-là, il est tip top. Il y en a un qui faisait particulièrement, penser à Star Trek. C'était celui-là. Celui-là. Celui-ci aussi. Je sais pas si c'est inspiré. De Star Trek ou pas, mais ouais, ça aussi ça me fait un peu penser à Star Trek celui-là, ouais. Bon voilà, mais franchement je préfère largement les vaisseaux cyclones. Donc passons à l'histoire maintenant qui tourne autour de Battlestar Galactica Online. Il faut savoir que Battlestar Galactica, je crois qu'il y a déjà eu un jeu vidéo qui avait été fait avant, donc sur PC qui date 2003-2004 si je dis pas de conneries. Et c'est aussi une série, il y a peut-être eu des films du coup, ça m'étonnerait mais pas du tout. Donc alors, l'histoire donc proposée dans le jeu,
40 ans après la première guerre contre les cyclones, ceux-ci sont revenus et ont semé la mort dans les 12 colonies où le vieux Battlestar Galactica a réussi à échapper donc aux attaques et s'en est allé en quête d'un nouveau foyer, une planète nommée Terre. Donc les humains essayent d'aller vers la Terre, mais ils sont poursuivis par les forces cyclones. Le Battlestar Galactica et le reste de la flotte coloniale se sont unis au Battlestar Pegasus, autre rescapé de l'attaque des cyclones. Tous ensemble, ils ont résisté et détruit le Résurrection, c'est bizarre. Un vaisseau de la flotte Cyclone. Je sais pas s'il est ici. Non, je pense pas. Ouais, il est pas là. D'accord. Donc, le Pegasus, c'est un peu comme... ça doit être... ça doit être... Enfin, la base, quoi. Là, c'est écrit base stellaire. Donc là, ça doit être la base stellaire des humains. Ça, c'est la base stellaire des Cyclones. Ça doit être ça, je pense. Donc, pris par surprise, les colonies ont tenté de se mettre à l'abri, mais un événement tellement grave a tout chamboulé. Dans les deux flottes, le moteur PRL a surchargé et a déclenché un saut incontrôlé qui les a envoyés bien loin de la destination prévue. Dans Battlestar Galactica Online, les coloniaux et les cyclones sont perdus dans l'espace. Les deux flottes sont gravement endommagées et leurs ressources sont très insuffisantes. Elles doivent néanmoins s'engager dans une course contre la montre pour effectuer des réparations, se réarmer et tenter de prendre le contrôle des systèmes les plus proches qui sont riches en thylium, métaux et en eau. Désespérés, les membres de la flotte coloniale cherchent un moyen de s'enfuir. Ils veulent reprendre le chemin vers la Terre avant que les cyclones ne reprennent leur force et ne tentent de se venger en détruisant toute l'humanité une bonne fois pour toutes. Voilà, donc... les cyclones, c'est bien ça, c'est les méchants. Donc là, on a une petite capture d'écran, c'est sympathique. Il y a eu quelques prix, ouais, donc c'est ça, ça doit dater de 2011, du coup, le jeu. Ouais, c'est ça. Parce que... Ouais, ça doit être 2011, donc c'est bien ce que je disais. Donc si je clique sur les humains, ouais, ça me remet exactement la même chose. Donc là, du coup, on a vu un petit peu l'histoire. Donc on a vu les différents peuples, le peuple humain, le peuple cyclone. Brièvement l'histoire, après je pense qu'elle nous sera expliquée plus en détail dans le jeu, enfin j'espère. Et du coup il y aura un petit tutoriel dès que je lancerai le jeu, je suppose. Donc voilà, là ça fait une petite vidéo sympa de présentation du jeu avant de se lancer dedans. Là comme ça, enfin mon choix il est déjà fait, humain ou cyclone, je partirai sur... la race cyclone du coup, les vaisseaux sont tellement bien. Après je sais pas s'il y a une différence entre la puissance des deux clans. Enfin, je sais pas si les vaisseaux humains peuvent être par exemple dans certains cas plus puissants que les vaisseaux cyclones, parce qu'on a des classes ligne, on a des classes escorte, attaque, amiral également, donc je suppose que ça doit être à peu près équilibré des deux côtés. Donc on verra tout ça dans le prochain épisode. J'essaierai de sortir ça assez rapidement. J'espère que ça vous plaira aussi. J'espère que j'aurai été également assez dynamique dans la vidéo. Que vous ne serez pas trop ennuyé, que ça n'a pas été trop monotone. Donc voilà, là on doit être à 13-14 minutes de vidéo, ça me paraît plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas, donc je joue sur Cancéron. Ouais, Cancéron. Donc c'est un serveur européen. Mon pseudonyme c'est Electroman Gaming. Vous avez mon idée à côté aussi, je sais pas si ça peut vous servir. Donc si vous avez envie de jouer à Battlestar Galactica Online avec moi également, me faire découvrir un jeu si jamais vous jouez sur ce serveur là. Enfin, je sais pas du tout si c'est un serveur où il y a du monde ou si c'est comme Dark Orbit, c'est mort de chez mort. Je découvrirai tout ça dans le prochain épisode. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.